Donc là c'est la pause, il est 10h43, donc d'habitude je suis avec les Françaises mais elles sont pas là, elles sont retournées en France, donc là c'est les vacances là, ce vendredi 7, et là je suis en train de faire mon fameux CV parce que c'est bientôt les alternances et il faut que je me prépare un minimum, donc là je suis en train de fignoler un petit peu mon CV, d'enlever les trucs un peu trop influents et de mettre des trucs un petit peu plus gestion de risque et de crise, on ne fait pas les mêmes erreurs. Donc j'essaye de montrer un petit peu à travers mes différents jobs mes qualités en fait. J'essaye de les mettre en avant, donc on essaye. Et après, il faudra que j'essaye de faire, chose pour laquelle je suis nulle, une lettre de motivation. Je trouve que ça sert strictement à rien, une lettre de motivation. Je pense que c'est plus au niveau de l'entretien. Mais c'est vrai que ça fait un tri, voilà. Mais c'est plus au niveau de l'entretien que je peux montrer mes facilités et mes facultés. Alors que dans les lettres de motivation, je suis extrêmement nulle. Vraiment, c'est horrible. Donc je fais sur Canva. J'essaye de faire un truc vraiment très simple, parce qu'avant j'avais fait une lettre de motivation extrêmement poussée, extrêmement créative. Là j'essaie de vraiment faire les choses simples, droites, ligne droite. Mais sinon, je pense que je l'ai quasiment fini. Je suis en train de mettre mes compétences, sauf que toutes mes compétences c'est que dans l'influence. Ça va être drôle. Mais j'ai bien mis Master Gestion Globale des Risques et des Crises, 2 points, major de promotion. Et licence en gestion, j'ai mis aussi que j'étais 22e sur 350. C'est important de mettre, je pense, le classement, parce que sinon, ils te prennent pour une meuf belle, mais teubée. Mais Sacha, comment ça va, mon cœur? Ça a été ce matin. Maman, elle est partie très rapidement. Hein. Mon cœur! Oh, tu ronronnes, mon amour. Quand il se frotte à mes fesses. Ce qui est bien avec un pantalon blanc, c'est que on ne voit pas tes poils, mon cher prince. Mon babou! Attaque de bisous! Bon bah bonjour, je vous ai pas dit bonjour aujourd'hui. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 7 avril. Demain c'est l'anniversaire de ma soeur. Elle a 30 ans, mon dieu ça fait vieux hein. Du coup aujourd'hui je vous emmène une journée avec moi. Aujourd'hui j'ai eu cours, donc ce matin de 9h à 15h. Donc c'est non-stop quasiment, j'ai pas trop de pause. D'habitude on a toujours une petite pause de 15 minutes. Mais là, je n'en avais pas du tout. J'ai enchaîné les cours, j'ai même pas pu manger. Donc là, je vais manger parce que j'ai trop faim. Ce matin, c'était ressources humaines. C'est l'une des matières les plus difficiles, je trouve, parce qu'elle en demande beaucoup. Comme si on avait déjà fait des ressources humaines, alors que pas du tout. Enfin, moi, je reviens de finance, donc c'est un peu compliqué de faire des ressources humaines quand t'as pas la méthode, quoi. Et le reste, c'est du marketing. Donc, soit là, aujourd'hui, c'est de l'International Marketing Management. Donc, c'est du marketing à l'international. Comment exporter un produit, etc. Donc, ça, c'est vraiment très facile pour moi. Et en fait, aujourd'hui et la semaine dernière, c'était que des groupes, des oraux, en fait. On a fait notre oral la semaine dernière. Ça s'est très bien passé. Et là, c'est la fin des oraux, donc comme on a fini les oraux, on est parti, donc on est parti 1 heure avant la fin du cours. Donc ça, c'est cool. Petit update un petit peu sur les cours. Je trouve que mes présentations, je sais pas, mais soit les gens sont vraiment nuls, soit c'est moi qui suis exceptionnelle. Mais vraiment, les PowerPoint des gens, je les trouve vraiment très moches. C'est très 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 moche. Même les gens en finance dans mon master font des PowerPoint alors qu'ils sont nuls. Hein. Ils font des PowerPoint beaucoup mieux. Donc je comprends pas. C'est vraiment pas ouf, les transitions sont horribles, les couleurs sont horribles. Il y a des gens qui choisissent du jaune fluo en fond, genre je comprends pas, vraiment il y a des trucs que je comprends pas. Donc on a fait un bon travail, la prof a été contente et après on a plusieurs steps avec cette matière là. Là c'était pourquoi on voudrait exporter, après ça va être dans quel pays, etc. Enfin au fur et à mesure des semaines ça se précise un petit peu. Et on n'a pas d'examen final avec elle, on n'a pas de partiel, donc ça c'est trop bien. J'ai eu mes dates de partiel, je vais vous les montrer. On va peut-être s'installer sur le bureau parce que là j'ai mal. Après moi j'ai business stratégie le lundi soir. J'avoue, je reste 1h30, après je m'en vais parce que ça fait beaucoup trop tard, on finit à 21h. Je suis pas très fan de sortir trop tard le soir seule. C'est vraiment une question de sécurité aussi parce que je connais le cours, enfin voilà, on connaît tous le cours. Et le jeudi c'est marketing management, donc c'est quasiment la même chose.
En fait, j'ai vraiment pris des cours très simples à comprendre. Vraiment, en plus, c'est en anglais, donc il faut que ça soit simple. Et bon, ça va. Pour l'instant, ça va, je gère, mais c'est plutôt en ressources humaines, c'est un peu galère. Peut-être que je vais vous montrer mes cours aussi juste après, mais d'abord, on va les manger. J'ai fait une salade. Attention, je vais être dans la pénombre, parce qu'il n'y a aucune luminosité. J'ai fait une salade de riz hier. Parce qu'hier j'ai mangé poulet curé, j'ai gardé du riz pour faire une salade. C'est lourd. Donc on va faire ça maintenant. Cette salade de riz là, alors j'ai pas de papier alu, je n'ai rien. Du coup j'ai utilisé du papier cuisson. Ça fait le taf aussi. Hein. Voilà une belle salade de riz avec clémentine, concombre, tomate, maïs. Et en sauce, on va prendre de la sauce. Je sais pas comment ça s'appelle. Là. Vous savez la sauce de présentation, j'appelle ça comme ça. Voilà ça. Donc on va mettre ça dans une petite assiette. Et on va manger. J'ai trop faim. En plus, ce que j'aime bien faire en dessert, c'est des fraises. Donc ça, je les achète au marché. C'est 1,50€ le kilo environ à chaque fois. Donc c'est plutôt bien le marché. J'ai acheté pas mal de choses. J'ai acheté des patates et tout. Je vais vous montrer ça juste après. Mais on va faire d'abord une petite salade de fraises. Un petit peu de sucre pour ces magnifiques fraises parce qu'elles n'ont pas vraiment de goût en soi. Enfin, je trouve que les fraises de France, elles sont meilleures hein, que les fraises de Grèce. Et voilà pour mon petit repas du midi. Trop cool, j'aime trop. Bon, c'était visiblement très bon, mais j'ai encore faim. En fait, en ce moment, j'ai tout le temps faim, c'est une catastrophe. Donc, je vais vous montrer mes cours. J'ai pas tout mis sur l'iPad. Mais en gros, pour m'organiser pour mes cours, il y a les PDF, les PowerPoint qui sont uploadés sur le site de la fac. On les upload, etc. Et en fait, je fais des copier-coller du PowerPoint et j'essaye de le refaire à ma manière. Alors au début, je commençais à écrire avec l'iPad, mais ça m'a vite gonflé. Genre au bout de 3 minutes, j'ai arrêté. Je fais un copier-coller sur page. Je l'ai mis en format horizontal. Et j'ai coupé en deux la page, donc comme ça me fait deux colonnes. Donc si un jour je l'imprime, je sais pas si je vais l'imprimer, je me tape encore, parce que ça va faire du poids en revenant, et ben je plierai, vous savez, la feuille pour faire un petit dossier quoi. Par exemple, en marketing management, je vous l'affiche donc juste là. Donc voilà, en fait, j'ai le chapitre, et ensuite je mets en gras les mots importants, etc. Et après, je le mets sur GoodNotes et je surligne le cours tout simplement. Donc voilà, c'est des trucs assez simples. La lecture 2, vous voyez en fait, la lecture 1 c'était genre 40 diapos, donc ça me fait une page recto verso. La lecture 2 pareil, donc il y a un peu plus de choses et j'essaye de faire à ma manière. Donc déjà voilà pour marketing management. Ensuite, international, j'ai rien pour l'instant parce que c'est que des case studies. Business strategy, ça se présente comme ça, donc ça fait longtemps que j'ai pas uploadé sur mon iPad. Mais des fois je fais des annotations comme là, comme on peut le voir. Et voilà, il y a beaucoup de schémas en fait que je mets directement sur page. Et ressources humaines, je crois pas. Ah, je l'ai pas fait. Faudrait que je le fasse d'ailleurs. Bon, du coup, voilà comment ça ressemble. En fait, et mes cours se présentent comme ça en fait, vous voyez. Donc, c'est pas incroyable. Donc il faut savoir faire les trucs un peu correctement et aussi compréhensible. Donc voilà déjà pour mes cours et je fais ça à chaque fois. Et dès que j'ai fini, donc j'ai fini au bout d'une heure de tout remettre sur page, et je fais mes petits trucs, je m'organise un petit peu au niveau de mon calendrier, je fais mes voyages, etc. Genre j'annote, je regarde les petites excursions, enfin je planifie un petit peu mes voyages. Et en parlant de ça, j'ai besoin de vous. Pour avoir votre avis, je vais poser la question sur Instagram, mais si vous n'avez pas Instagram aussi, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Comme je vais faire plusieurs road trips, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 4 sûrs. Vous voulez que ça se passe comment, vu que c'est des road trips de 3 jours? Vous voulez une vidéo par jour, donc 3 vidéos en tout, hein, quelques jours après mon road trip, et je vous mettrai des photos sur Instagram à ce moment-là, en même temps que j'y suis. Ou est-ce que vous voulez une seule vidéo qui dure assez longtemps, qui regroupe les 3 jours? Moi j'étais partie plus sur une vidéo par jour, comme ça ça peut scinder les différents jours et ça peut être super sympa. Et au moins comme ça vous avez une vidéo par jour au lieu d'avoir, je sais pas, une semaine après la longue vidéo. Donc je sais pas ce que vous voulez. Dites-moi ça en commentaire parce que vraiment ça m'aiderait, parce que je commence mon road trip là vendredi, du coup quand vous verrez cette vidéo, donc vendredi, et je sais pas quoi faire. Donc j'attends vraiment vos retours là-dessus, ça c'est assez important parce que c'est pour vous et c'est pour mon travail aussi, comment je vais le filmer, etc. Ah, moi j'ai ça, qu'est-ce que tu faisais en dessous du canapé?
Mais est-ce que c'est de ma faute? Qu'est-ce que c'est pas ça? Sur le fauve arrive et pouf. Je vous ai filmé des petits trucs quand je suis allée au centre commercial. Ça fait un bon 2 semaines je crois. Et je vous ai filmé ça, je savais pas dans quelle vidéo j'allais vous l'intégrer. Donc je me suis dit pourquoi pas dans celle-ci, faire un petit vlog shopping. Voilà, et je vais vous montrer les achats que j'ai fait juste après. Il y a des petits gants comme ça, trop mignons. Il y a aussi une nappe, je crois qu'elle est ronde. La qualité elle est vraiment top. Et il y a aussi des petits coussins trop chauds. Je crois que je suis rentrée par la sortie. C'est trop mims. Trop chaud. Et on a aussi des petits trucs comme ça. Je pense que c'est pour mettre les bougies. Il faut que fort. Ils sont assez jolis, je trouve. J'aime trop cette ambiance là avec ce canapé que je trouve trop beau. Je sais pas combien il coûte en France, mais 1650 € là. Il est trop beau, trop confortable et tout. En plus, il est bien large. C'est trop bien. Mais on a ça en France? Non, ça se voit. Bah oui, ça se voit. Trop bien. Je savais pas qu'on faisait ça, enfin que Ikea faisait ça. La cuisine elle est vraiment incroyable. J'adore les carreaux là comme ça, verts. Je trouve que c'est super joli. Bon là c'est du faux mais ça serait trop beau. Et les portes de placard elles sont comme ça. Bon quand t'as tes ongles c'est un peu... Ouh, j'ai cru que ça allait claquer mais non. C'est vraiment plutôt joli ça. En fait il me faudrait un truc comme ça pour la vaisselle. Ça, rien que le petit truc pour celui-ci, c'est 6 €, c'est trop cher. Et là, ça, c'est 3 €. Il faudrait un truc comme ça. Il y a quand même un grand optical, ça me fait assez rire. Il y a un Tommy, il y a plein d'enseignes que je connais pas. Joue Brigitte aussi, Swarovski, BSB, je chiale. Body Shop, Toi et Moi. Il y a pas mal de petits magasins. Même leurs Bershka, ils sont trop beaux. Il y a les sacs qui sont archi mignons. Et ils sont... Enfin, le magasin est gigantesque. Hein. C'est énorme. Il y a ce petit bustier-là, en effet un peu satin, qui est vraiment trop beau. Il y a en noir, en bleu et en blanc. Il est à seulement 16 €. Il est trop beau. Même le derrière est joli, je trouve. C'est bien travaillé, c'est bien fini. Là, les sacs en crochet, c'est de plus en plus tendance maintenant. Et je me suis pris un petit manteau à Polenga. La Bershka, pardon. Voilà, le petit sac en crochet, il est trop mignon. Et la robe aussi, elle est archi belle. C'est trop beau. Là, je suis à Stradivarius et c'est exactement la même odeur, le même parfum qu'il y a en France. C'est fou. Ils ont gardé le même parfum. Oh, c'est trop mignon. Cette petite robe, elle est trop belle. Là, il y a un Zara Home et là-bas, il y a un Bath & Body Works. Je n'ai jamais vu de magasin comme ça. J'aime trop l'univers. Ça a l'air tellement paisible et j'adore les miroirs au-dessus. Ils sont trop beaux. Les produits de salle de bain, ils sont vraiment trop beaux. Ça rend pas la justice la lumière, mais c'est vraiment super joli. En plus, c'est pas si cher, enfin, je trouve, pour la qualité. C'est assez joli. Même les petites serviettes de bain, elles sont belles. Et on peut fabriquer sa lessive avec le petit flacon laundry. C'est plutôt pas mal. On n'a pas ça, enfin ça me dit rien ça en France. Et là c'est le côté un peu nettoyage et tout, maison. Les poubelles elles sont archi belles. J'adore. C'est super joli. Même tous les torchons, tous les détails sont beaux et tout, franchement je kiffe. Ils font aussi des jouets pour les enfants en bois. Avec le petit toaster, le four, la machine à café. C'est trop beau. J'aime trop, mais ça a l'air tellement cher. Je préfère même pas regarder les prix, je vais avoir un avis. Il y a une petite fusée et tout. Oh non, c'est trop beau. Regardez ça, c'est vraiment plutôt pas mal pour mettre les œufs. Parce que chaque fois, je sais pas où les mettre. Enfin, je trouve ça moche, les boîtes à œufs et tout. Et ça, c'est super joli, ça coûte 13 € pas à Rome. Ça, c'est super sympa. Et du coup, je suis jamais rentrée dans ce magasin. J'ai jamais rien acheté dans ce magasin. Du coup, on va pouvoir tester leurs produits. Mais je connais pas, ce qui paraît, les trucs pour laver les mains ou le gel doux, je sais pas, ils sont super bien. Le problème, c'est que je trouve extrêmement jolies toutes les bougies, sauf qu'elles ne sentent pas du tout bon. C'est un peu con. Mais je vois, il y a Paris Café, ça sent le café. Ça sent grave le café, vraiment, je suis choquée. Là, je suis à H&M, regardez comment c'est mims. Bon, ça, juste ça, c'est 20 €, je trouve ça un peu cher, mais c'est trop mignon. Il y a tellement de petites choses. C'est trop chou. Là, je suis à Flying Tiger. Et franchement, regardez ces petites bougies, comme elles sont archi drôles.
Il y a des carottes, il y a des poussins, des lapins. Ils sont trop mignons. Des collections trop jolies, notamment ces pots, c'est trop beau. Il y a ces petits carnets, ces assiettes, ces petits miroirs et tout, franchement. Trop mignon. Ils ont aussi plein de petits trucs de notes et tout. Il y a même un daily planner et un weekly planner. C'est plutôt pas mal. Ils font pas mal de petits accessoires comme ça pour le bureau. C'est vraiment drôle. Il y a aussi des planners comme ça. Il y a plein de cahiers. Et en fait, j'ai cherché un cahier pour faire mon album photo, vous savez, pour tout ce road trip, tout ce voyage. Et j'aimais bien celui-ci parce qu'il était assez grand. J'avais jamais vu ce genre de bougie. Je trouve ça archi beau. J'ai fait des petits achats chez Jumbo, je vais vous montrer ça. Je suis trop contente, j'ai trouvé plein de conneries de Patrick. Donc j'achète ça pour le Noël prochain, parce qu'à Noël, il va falloir bombarder en conneries de Patrick. Du coup, j'ai acheté ça. Ça faisait longtemps que je l'avais vu, celui-ci. Ça coûte 1€ et en fait, c'est pour accrocher vos cadres de manière droite. Je trouve ça génial, 1€, c'est vraiment pas cher. Bonjour Prince. Donc vous avez la petite bulle et tout, enfin je trouve ça génial. Donc je garderai la notice parce que bon, quand tu offres une connerie de Patrick, il faut enlever les notices et tout et juste donner le produit. Donc ça, je garderai la notice pour que les gens puissent comprendre. Mais j'en ai pris qu'un seul, mais j'avoue, ça pour moi ça serait plutôt pas mal, hein. Donc je sais pas à qui l'offrir, soit à mon père, soit à ma soeur, je sais pas du tout. Ensuite, ça, j'ai acheté ça pour mon papa. C'était 60 centimes, je crois, un truc comme ça. Ça se met au niveau de tes lunettes et c'est fait pour lire. Donc, mon père ne lit absolument pas. Mais quand il fait ses travaux et tout, une petite lumière en plus, je pense que ça peut le faire. Donc, je lui ai pris ça en connerie de Patrick. Ensuite, j'ai acheté ça pour moi. C'est des petits embouts, vous savez, pour pouvoir mieux arranger les fils. Moi, j'aimerais bien mettre ça dans mon salon à Paris. C'est pour mettre mon câble d'internet, parce qu'il traîne un peu partout. Et j'aimerais bien le mettre à côté de... Ça arrête de bouffer les emballages. J'aimerais bien le mettre un peu mieux, quoi, un peu plus joliment. Donc voilà, j'ai pris ça, c'était 1€, je crois. Ça, c'est des conneries de Patrick, je l'ai pris en blanc. Et je l'ai pris en noir. Donc je pense qu'il y en a un que je vais garder, je sais pas lequel. Et un autre que je vais offrir. Mais on sait que t'es beau, on sait que t'es adorable, on sait que t'es mignon. On a compris, mon cœur. Donc c'est pour, vous savez, ranger les petits embouts qui traînent et tout. Genre pour les tables de chevet par exemple ou autre. Je trouve ça super bien, c'était 60 centimes encore une fois. Donc des bonnes conneries de Patrick. Donc bien évidemment, quand vous offrez ça, vous offrez sans l'emballage. Voilà, c'est vraiment... Au pire, je peux en offrir, genre, je peux offrir le noir, admettons, et j'en donne deux comme ça à ma sœur et deux comme ça à mon père. Comme ça, ça peut le faire. J'ai pris ça pour moi, pour les ventouses comme ça, je trouve ça pas mal. Donc ça marche pas trop dans ma salle de bain, mais je me suis dit, vas-y, on va tester. Après, arrête de bouffer les emballages pour mettre mon savon, pas pour mettre les éponges et tout. Hein. Moi, c'est plus pour mettre mon savon qui traîne. Donc j'essaie de le mettre là et je vais le prendre avec moi aussi pour Paris, parce que ça, c'est vraiment utile. C'était moins d'un euro aussi. J'ai pris ça. Alors, je l'ai déjà en bleu. Enfin, j'ai un autre truc comme ça, mais en bleu, qui fonctionne bien. Prince, arrête de bouffer les emballages. Et là, c'était le même prix, mais pour deux. Donc je me suis dit, en connerie de Patrick, c'est pas mal du tout. Ça revient à 30 centimes, le petit truc de merde. Parfait, ça rentre dans les conditions des conneries de Patrick. Donc c'est pour mettre, voilà, le rasoir, etc. Donc un pour ma soeur, un pour mon père. J'ai pris du papier de cuisson. J'en ai enfin trouvé et à des prix abordables. Donc 1,29€ de base dans les supermarchés, c'est genre dans les 5 balles, hein, c'est super cher. Donc trop content d'en avoir trouvé, parce que là je galérais avec mon papier cuisson, je vous avoue, j'en pouvais plus. Je me suis pris ça, franchement j'hésitais de ouf à m'en acheter, parce que vas-y, c'est chiant quoi. Mais j'ai vu qu'il y avait un marché à côté de chez moi, et j'aimerais bien me faire des petits jus d'orange pressé. Là j'ai des oranges, donc je vais essayer d'en faire. Et puis voilà, ça m'a coûté 1,49€, donc j'espère que ça va être cool. J'ai pris cette petite boîte, j'ai trouvé trop mims. Petite boîte comme ceci. Et voilà, pour ranger des petites affaires à l'intérieur. Je trouve que c'est plutôt joli. Donc ça va être direction la France. Ça, j'ai trouvé un black mask, vous savez, pour enlever les... Non, Prince, arrête de bouffer les perles. C'est pour enlever, vous savez, toutes les impuretés. Mais arrête de manger les perles, elles t'ont rien fait. Donc j'ai pris ça, c'était assez cher. Enfin cher, entre guillemets, c'est 4€. Après, j'ai pris des petits trucs comme ça, des patchs. C'était 2€. J'ai repris du dentifrice parce que j'en avais pas. Et je cherche des mini dentifrices pour voyager, c'est un peu galère. Ensuite, je me suis pris ce magnifique panier
en jacinthe. J'adore. J'en ai déjà acheté un chez Jumbo sur pied. Pour le petit Olivier, ça peut le faire. Donc, j'ai pris ça. Ça, pour nettoyer mon écran d'ordi, je sais qu'il y a un... Enfin, il a abîmé, mais je sais qu'il est un peu sale, mais j'arrive pas à le nettoyer. Je n'ai pas de vinaigre, je n'ai rien ici. Donc, j'ai vu ça. Je me suis dit, on va tester. C'est 50 centimes. Petit beauty blender avec un panda. Bon, est-ce que je l'ai acheté parce qu'il y avait un panda? Sûrement, parce que j'utilise pas vraiment des beauty blenders. Mais vas-y, on va tester quand même. Trois fois ça. Donc, j'aime pas trop la couleur, mais j'aime bien le système de réservoir d'eau juste en dessous. Là, c'est vraiment très pratique. Donc je le bomberai en rose, etc. Je ferai des petites couleurs, je le peignerai un petit peu pour avoir des couleurs qui me ressemblent un peu plus, mais c'est super pratique. Du coup, j'en ai pris 3, c'était à 79 centimes. J'ai pris un gel pour les mains à la pastèque avec un petit truc comme ça. Je trouve ça super pratique, j'adore la pastèque en plus. Ensuite, j'ai pris des trucs qui cassent, donc j'ai pris 2 verres comme ça à shot. C'est des verres avec des petites têtes de mort, 69 centimes, donc je les ai pris. Je trouve ça super sympa, donc j'en ai pris 2. Et ça, encore une fois, direction la France. Et là, alors là, j'ai complètement craqué, c'était les achats les plus chers, là, pour l'instant. C'est... c'est des verres. Alors c'est des verres comme ça. Je trouve que c'est très exotique, très baliné, très Bolivar Beach. Parce qu'ici à Athènes, il y a un club qui s'appelle le Bolivar Beach. Et c'est donc à la plage. Et il y a des trucs comme ça et tout avec des petites rondelles d'ananas et tout. Enfin, j'aime trop. Donc du coup, je l'ai pris ça en verre. Il n'y en avait que 2. Hein, donc j'ai pris les 2. Et ça, franchement, c'est un concept. Hein, mais j'adore. Voilà, j'adore, je trouve ça extrêmement beau. Donc direction la France aussi, c'était 4 euros le verre et franchement il est super lourd. Concernant Jumbo, donc c'est le petit panier etc, donc tout ça, ça va partir ce week-end. Dedans il y a des affaires Jumbo, il y a aussi des souvenirs de Grèce, des ustensiles en bois d'olivier etc, il y a quand même pas mal de choses. Et j'ai aussi racheté quelques autres souvenirs pour ma famille etc, pour les ramener maintenant en France. Et du coup pour Bershka, ça je crois que vous l'avez pas montré, ou je sais plus, Bershka ou Pull&Bear, j'ai acheté ce sublime manteau. Donc je l'ai déjà en marron et j'adore en fait, et c'est un manteau qui coûte assez cher de base, il coûte dans les 40 euros, là j'ai eu 20 euros, franchement ça valait vachement le coup, donc trop contente. Et ensuite j'ai acheté ma petite veste que vous avez sûrement déjà vue, franchement elle est trop belle. J'ai enlevé les épaulettes parce que c'était vraiment pas joli, j'aime pas les épaulettes, du coup j'ai découpé la couture, j'ai enlevé les épaulettes et tout le bordel, enfin voilà. C'est vraiment un trop beau blazer, enfin je trouve ça génial, je trouve ça trop beau. Donc je l'ai pris, au lieu de 35 c'était 20 et quelques, 25 je crois. Et dans la cuisine, regardez le kilo de patates que j'ai acheté. Je chiale. Dans la cuisine, j'ai donc mis celui-ci de petit pousse-mousse qui vient de chez Bath & Body Works. J'en ai pris 2 à 15 euros, c'est quand même assez cher. Mais franchement, ils sont trop bien. Donc j'ai pris en white t-shirt. Mais oui, mon cœur! Et j'ai pris aussi en fraîche coconut. Franchement, ça sent super bon. Ça rend les mains toutes douces. Ça coûte cher, mais franchement, c'est génial, je trouve. Mais pourquoi tu miaules? J'ai fait quoi encore comme... Pourquoi t'as fait tomber ça? Ça, c'est toi qui l'as fait tomber. Ça, je le sais. Et j'ai testé du coup mon petit presse-agrumes. Ce qui est chiant, c'est que le... je peux parler? Les trucs verts, en fait, ils s'enlèvent pas. Genre, je galère, donc pour nettoyer, c'est un peu plus galère. Mais sinon, j'ai goûté les oranges du marché. C'est pépitas. Alors déjà, au marché, j'ai acheté 4 kg de patates. Pourquoi? Pour faire des frites ou des pommes au four, parce que je n'ai pas de micro-ondes, mais j'ai un four. Du coup, comme j'ai acheté ça, je me dis, on va faire des frites ce soir, ou des pommes au four, ou je sais pas ce qu'on va faire. Et pour les fruits et les légumes, j'ai pris donc des fraises, comme vous avez pu le voir, deux concombres, donc c'était 50 centimes le concombre, sinon les prix de base, c'est 1 euro, c'est à peu près comme en France. Les oranges, j'en ai pris... 6 parce que c'est 2 oranges, ça te fait un grand verre. Voilà, j'ai pas encore testé celle-là, c'était à 60 centimes le kilo. J'ai pris des tomates, donc les tomates juste là, c'est 1,28€ le kilo. Après, il y en a qui sont un peu plus chères, 2,20€. Vraiment bonne celle-là, mais je n'avais pas assez de budget, j'avais pas de sous sur moi. Et le monsieur, il m'a donné un piment. Voilà, j'ai acheté aussi du citron. Hop. Dans les marchés, il n'y a pas de paiement par carte, c'est que par espèce. Et moi, j'avais prévu un petit peu d'espèces et avec ma banque, ils m'avaient dit que je pouvais retirer sans frais, payer sans frais, etc. Que nenni! Mais que nenni! Paiement par carte, ça le fait, il n'y a pas de souci, j'ai aucun frais. Mais pour retirer de l'argent, j'ai tout le temps des frais. Donc j'ai dû retirer à un moment donné de l'argent.
Ça, j'ai eu 4 euros de frais. Donc j'envoie un message à ma banque en mode « Oui, bonjour, comment ça se passe, quoi ?» Ils m'ont dit « Bah oui, il y a des banques qui imposent des frais. » J'ai dit « Oui, bon, je m'en bats les couilles de ça, mais juste rembourse-moi, annule ces frais. Prends-les pour toi, genre je paye une carte pour avoir ces trucs internationaux et pour être tranquille pour payer et retirer en paix. Pourquoi je ne peux pas ?» Du coup, j'ai envoyé un message en mode « Il serait temps de pouvoir gérer ça parce que c'est pas comme si je restais en Grèce pour 3 semaines. » Je reste en Grèce pour 6 mois, donc j'ai besoin de retirer. Donc là, il y a un de mes amis qui vient ce week-end, je lui ai demandé de me retirer de l'argent, parce que bah, t'as des frais de ouf, quoi. Enfin, la dernière fois, j'ai voulu retirer juste 100 euros, j'ai eu 20 euros de frais. Mais ils sont fous, du coup, j'ai annulé. Je fais, bah non, on va faire ce qu'on a. Du coup, au marché, j'avais que 5 euros sur moi. Et en 5 euros, j'ai pu avoir tout ça, mais quand même, c'est galère. Genre, là, j'ai plus de sous, j'ai plus d'espèces. J'ai un petit billet qui traîne pour au cas où si vraiment il y a une merna qui se passe et que ma carte bancaire ne fonctionne plus du tout. Mais sinon là c'est la merde. Du coup, what the fuck les banques, au bout d'un moment on paye une prestation, on prévient et on repose la question une énième fois, on me dit oui. Au final c'est non. Et j'ai besoin d'espèces, donc parce que je vais partir dans les road trips et tout, et dans certains pays j'ai besoin de faire du change vu que c'est pas l'euro. Vraiment je pars n'importe où, vous allez voir ça va être trop drôle. Donc voilà, merci la banque, merci la communication de crise, vraiment je suis ravie. Donc bah écoutez, c'est génial, donc ça m'a vraiment pris la tête, elle me répond jamais, en fait elle me répond une fois tous les 3 jours, sauf que ça fait déjà 2 semaines, je n'en peux plus. Bon vous pouvez l'entendre, je me fais un petit café. Je suis à 3 cafés par jour minimum, c'est une atrocité. D'habitude je bois un seul café par jour et là je m'en fais 3 dans la journée, vraiment calme. J'ai changé mon pantalon parce que j'avais pas envie de le tâcher, il était blanc et je sais pas, à tout moment je renverse une fraise sur moi, je me tâche, c'est mort. Prince, non, elle va pas derrière le lave-linge. T'as fait quoi le lave-linge en fait? T'as vu une bête? Oh non, hein. J'en ai marre des bêtes. Hein. Donc je vais ranger ma vaisselle propre qui est juste là. Mais ouais, je reviens toujours pas, moi, des gens qui sont donc en marketing et qui font des présentations de PowerPoint vraiment... t'as peur, quoi. Je me disais ça intérieurement en mode, ouais, bon, bah c'est pas ouf, hein, mais bon, on va dire que c'est... Je sais pas, quoi, c'est pas leur domaine. Mais si, c'est leur domaine, c'est le marketing. Là, il y a une de mes potes, là, qui dit, mais mon Dieu, mais ils sont horribles, leur PowerPoint. Genre, il y a que le nôtre qui est vraiment potable, quoi, qui est bien. J'ai dit, bah merde, je pensais que j'étais la seule à le penser. T'as une grosse connasse, attendez, vous n'êtes pas droit. Et au final, non. Alors, soit les gens n'ont vraiment strictement rien à foutre. Mais je sais pas, dans le marketing, même moi, je l'ai fait en une demi-journée, mon PowerPoint, il est tellement beau. Après, c'est subjectif. Hein. Je suis en train de me saucer, là, un petit peu, vous voyez. Donc, bref, petit café de prêt. Je suis extrêmement fatiguée, il faut savoir. Je suis épuisée. J'ai vraiment du mal à dormir en ce moment. Je dors entre 2 et 3 heures par nuit. Encore, quand je dors, c'est pour faire des cauchemars. Donc là, on va se reposer dans le lit, on va se regarder une petite série. J'adore regarder sur Netflix les compétitions du style Glow Up ou Next in Fashion. J'ai adoré la saison Next in Fashion, j'étais trop contente la dernière saison. Prince, tu me pètes les couilles, on se fait entre mes pattes. Et là, je vais regarder la saison Glow Up, j'ai déjà commencé à regarder. C'est vraiment bien, franchement c'était assez expéditif par contre. Mais plutôt bien, surtout que là, Athènes, il fait vraiment très moche, enfin, il fait gris, il y a du vent, c'est nul. Et c'est les vacances, je suis en vacances les gars, je vous avais pas dit je suis en vacances. Je suis en vacances pendant 2 semaines et demie, parce que de base on devait avoir une semaine de vacances, et j'avais pris mes petits billets en fonction et tout, tu vois. Et en fait, ils nous ont rajouté une semaine et demie, c'est énorme. Alors attendez, je viens de tomber sur ça. Mais obvious, je vais regarder, ça a l'air trop bien, des rangements et tout. Vous voyez ce genre de petits moments, genre une série Netflix avec l'organisation, etc. Prince à côté qui dort et tout, qui... c'est vraiment quelque chose que j'adore, genre mon chat, une série, mon lit, être tranquille quand il fait moche dehors, c'est vraiment un truc de ouf. Et quand il fait beau, quand il y a du soleil, bah, ça tape en fait devant la fenêtre et Prince s'y met. Mais t'arrêtes de bailler. Il s'est mis à y bronzer et tout, il est en plein kiff. Là, il est 17h34 et entre 17h et 18h, Prince demande toujours sa pâtée. Là, depuis tout à l'heure, il me regarde. C'est extrêmement perturbant. Il est là derrière mon iPad à me regarder. Il se lèche les babines. Là, il va miauler bientôt parce que voilà, je parle, donc je m'active un petit peu. Voilà, vous voyez avec ses babines là, il fait tout le temps ça quand il veut sa pâtée. Il miaule et il fait aller ses babines. T'es pas à ça, Principe?
Que t'es pas ça. Je me lève juste pour aller aux toilettes, mon cœur. C'est tout, hein. Et en ce moment, je donne que la moitié de la pâtée parce que... Bah, il faut faire des économies. Toujours la même, hein. Il mange des croquettes cats, il mange la pâtée cats, il adore ça, comme vous pouvez le voir. Et je sais pas si vous allez voir avec Principe. Tu montes ta pâtée. Oui, il y a des carottes, il y a de la viande. Enfin, franchement, C'est vraiment génial. C'est des ingrédients 100% naturels, 37% de poulet, donc c'est énorme. Il y a du saumon, il y a du porc, il y a de la protéine de pois, il y a des pulpes de betterave, il y a de la spiruline, donc c'est très bon pour eux. Haricots verts déshydratés, cranberry en poudre, c'est excellent, huile de poisson et carottes. Donc franchement, je peux vous conseiller cette marque, elle est géniale. Je crois que Prince a un code promo, vu qu'il est ambassadeur de cette marque-là, je sais pas si vous savez. Ça va faire 2 ans maintenant. L'ambassadeur, du coup, il a un code promo. Et de toute façon, c'est en barre d'infos. C'est Prince, ça vous offre au moins 50% sur l'essai. Donc n'hésitez pas, voilà, à tester, etc. En utilisant son code promo. Et puis bah, voilà. Très bien, très bonne marque. Donc là, j'ai envie de faire à manger. Alors, je fais assez tôt à manger parce que après, j'ai des FaceTime avec tout le monde, ma famille, mes amis, tout le bordel. On se regarde des films, donc j'ai jamais le temps de faire à manger juste après. Et là, j'ai envie de faire mes patates. Alors, faut savoir que je ne connais pas du tout la variété de la patate. J'aimerais bien faire des patates au four pour faire des frites. Donc j'ai ma petite plaque de cuisson comme ça. J'ai mon papier de cuisson du coup. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'huile et j'ai pas d'épices. Donc ça va être un petit peu bizarre. Mais on va quand même tenter de faire des mini frites. Et au pire, bon on va tester déjà ça là. Et au pire, si c'est vraiment dégueulasse, etc., ça se fait pas, j'essaierai de faire d'autres patates au four comme j'ai fait à Noël. Je sais pas si vous avez suivi, j'avais tranché la patate en fines lamelles. Et c'était super bon. Franchement, c'était le meilleur repas que j'ai jamais fait de toute ma vie. On va tester. Hein. Du coup, bah, je vais éplucher un maximum de patates. Bon, j'ai épluché 8 patates, 8 toutes petites patates, donc je vais les laver et je vais les couper en lamelles. Je vais mettre de l'huile d'olive, enfin le fond d'huile d'olive qui me reste, j'en ai plus beaucoup. Hop! Voilà ce que ça donne, on dirait des pommes. J'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive et là, du coup, on va essayer de terminer donc, la bouteille. Il n'y a plus rien. J'espère que ça va cuire, j'espère que ça va fonctionner. On va rajouter un peu de sel. De toute façon, je n'ai que ça. Et j'ai du curry. Donc bon, on va pas aller loin. Et on va enfourner ça à... Bah, jusqu'à temps que ça cuise. Hein. Je vais tomber en hypoglycémie. Oh, mes frites. Bon, je les ai retournées plusieurs fois, etc. Hein. Je sais pas. Soit c'est moi qui sais pas cuisiner, soit vraiment. Je pense qu'elles sont prêtes. Hein. Vous en pensez quoi? Elles sont un peu cramées quand même. Hein. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. J'ai faim, il est 19h, ça fait 1h qu'elles sont là-dedans. Au bout d'un moment, stop quoi. Heureusement que je me suis pris à l'avance, hein, parce que j'aurais attendu longtemps. Hein. Bon, on va les mettre où maintenant? Parce que le grand saladier que j'ai utilisé, c'est pour le riz là, le bordel. Mais du coup, là, j'ai plus rien. On part sur une organisation tapeur. Déjà, je sais pas comment faire. Non, c'est pas de la pâtée, quoi, enfin, tout calme. Et ici, en fait, pourquoi je me baisse? Ici, ils mettent pas du cheddar, ils mettent du parmigiano. C'est dégueulasse. Vraiment, c'est dégueulasse. Enfin, il y en a qui mettent du cheddar, hein, mais la plupart des gens, enfin des restaurateurs, ils mettent du parmigiano. Un peu cramé, mais... Bon appétit, hein. Je vais me prendre une petite assiette de frites. Et si j'ai encore faim, je reprendrai du riz, salade de riz. J'avais trop envie de frites. En fait, j'avais envie de gras. Elles sont pas assez salées, mais c'est mon truc qui fonctionne pas. Avec 4 kg de patates, on fait des merveilles. Hein. Incroyable. Oh là 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 là. Ça, je vais me faire haïr.
Ça, c'est meilleur que les frites belges. Eh ouais! Non, vraiment, vos frites, les belges, elles sont incroyables. Je pourrais jamais atteindre votre niveau, sachant que j'ai un four de merde. Mais c'est vraiment fait de manière très locale, avec des patates de graisse et un four. T'as peur! Ce qui m'énerve un petit peu avec la cuisine et pourquoi je déteste faire la cuisine, c'est que ça met du temps à cuire pour genre 3 minutes de plaisir. Genre, je trouve ça tellement chiant. Du coup, j'ai pas mangé tous les petits trucs un peu cramés. À l'avenir, je les ferai beaucoup plus épaisses. Je pense que ça serait mieux parce que j'avais fait un petit peu taille normale et je vais les faire un peu plus épaisses. Donc, au moins, franchement, je suis très contente. Donc, la prochaine fois, je ferai. Ah, il était vénère le mec, hein. Putain, pour appuyer aussi longtemps. Une fois, je ferai aussi des patates, vous savez, au four. Comme j'avais l'habitude de faire, mais j'irai à Lidl acheter des petites épices ou des trucs comme ça pour manger, parce que sinon, ça va être un peu la merde. Mais j'ai encore faim. En même temps, c'est pas une assiette de frites qui va te caler. Mais de base, si ça me cale, et là, j'ai tout le temps faim en ce moment, c'est un truc de ouf. Sauf que j'ai pas grand chose dans le frigo. En fait, en Grèce, j'ai vraiment un problème, c'est la nourriture. Je mange très peu parce qu'il y a rien qui me plaît. Pourtant on disait oui la Crète tu vas voir, il y a plein de choses à manger, alors oui super, des kebabs, des machins, enfin j'en raffole pas en France, c'est pas pour en raffoler en Grèce, même si c'est pas cher, ça ne m'intéresse pas trop. Moi ce que je me fais c'est beaucoup de salade de pâtes et salade de riz, et en fait au bout d'un moment tu tournes en rond, pour ça j'ai voulu faire des frites pour changer un petit peu, mais c'est vrai que tu tournes en rond quoi, t'es là... La viande ça n'est pas une super belle qualité, moi je mange beaucoup de yaourt et de fromage. Là, je vous avoue, fromage et yaourt, c'est un peu la dèche. Je rêve d'une raclette, je rêve d'un caprice des dieux. Donc vraiment, pour manger, pour moi, c'est vraiment compliqué. Et donc, pour me caler, je pense que j'aime faire des bananes Nutella. Donc, je vais juste me couper la banane. Genre, je vais pas la faire cuire parce que ça fait encore de la vaisselle, ça m'énerve. Banane Nutella. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est pas folichon, mais franchement, c'est délicieux. Bon, voilà, j'ai pas fini ma banane. On m'appelle déjà, il est 19h19. Coucou. On va faire une petite skincare routine. J'ai la flemme de faire la vaisselle. J'ai même pas allumé l'eau chaude. Putain, fait chier. Ça c'est vraiment chiant. C'est une habitude que je venais pas, c'est d'allumer l'eau chaude. On fera la vaisselle demain, je pense. Mais du coup, on va faire notre petite skincare routine. Parce que bon, comment dirais-je? Attendez, est-ce que vous allez encore tomber comme la dernière fois? Je sais que la douche, ça va durer 3 minutes parce que l'eau va être froide. Parce qu'en fait, faut laisser tourner pendant au moins une heure pour avoir de l'eau chaude. Au bout d'un moment, moi, j'ai pas leur patience, hein. Genre, c'est bon, quoi. Si vous savez pas, nos ballons d'eau chaude sont sur le toit et c'est chauffé avec le soleil. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de soleil, bah, t'es dans la merde. Très clairement, on voit la différence. Et là, il n'y a pas eu de soleil aujourd'hui. Donc je vais mourir, voilà. Outre ça, c'est hyper écologique hein, d'avoir ce système-là, je trouve, de ballons d'eau chaude. Franchement, c'est comme en Guadeloupe, je crois. Les Guadeloupéens, vous avez ça. Si à Paris, on avait ça, bon, ça serait pas tellement rentable vu qu'il faut du soleil. On ferait des économies de ouf, hein. Genre, ici, ils ont compris au niveau de l'économie, utiliser ça. C'est plutôt pas mal. Mais faut l'allumer, c'est contraignant. Et t'as vu, les Français, ils sont chiants, tu vois. Nous, on est chiants, on est un peu feignants. On oublie d'appuyer sur un putain de bouton pour que ce soit pas si compliqué que ça, mais on oublie parce que c'est pas dans notre tradition. Mais si on instaurait un tout petit peu plus au fur et à mesure cette tradition-là, eh bien, ça ferait des économies à pas mal de gens, notamment vu le prix de l'électricité, ça fait mal au fond. J'en peux plus de ça, ça dehors. Je peux plus. Tout tombe. L'étagère, elle est même pas droite. Qui a foutu une étagère pas droite? L'étagère, elle est comme ça. C'est pas possible, au bout d'un moment tu peux pas mettre tes produits à l'intérieur. Genre c'est... J'ai fait un chignon dégueulasse, regardez comment ça pendouille, c'est immense. Bon, vous connaissez les produits que je vais terminer ce soir avec vous. C'est un grand moment, moment de célébration. Donc mon eau micellaire de chez Polar, que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, je pense que là ça y est. Genre au bout d'un moment on peut pas faire... voilà, très bonne eau micellaire. Franchement Polar, vous êtes des génies. Après j'en ai plus, j'ai que un truc... Déjà que t'en as plus, et en plus tu fous la goutte à côté sur la cuvette des chiottes. Elisa, t'es con, vraiment, y a pas plus con que toi. Et c'est fini. Donc on va aller se démaquiller. Oh. Et du coup, ce que j'ai pris, c'est ça. Et j'ai aussi un baume. Faudrait peut-être que je le teste, le baume. J'ai ça pour me démaquiller. Que je peux emporter avec moi. C'est combien? 50 ml. Mais j'ai un baume aussi, donc il faudra peut-être que j'utilise, que je le teste. Mais j'avoue, les baumes là comme ça pour se démaquiller, c'est un peu galère, genre c'est hyper contraignant, faut plus le faire sous la douche. Pff, ça tombera pas plus loin. Cette étagère, elle pourrait être bien.
Mais non, les gens sont tellement incapables de placer une putain d'étagère de manière droite. En soi, Athènes, c'est vraiment cool. Sauf que bah, là, j'ai fait le tour. Et c'est vrai que bah, je passais beaucoup de temps à la maison parce que déjà, je travaille beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup de dépenses chaque mois et je veux limiter le déficit. Pour l'instant, j'ai beaucoup limité le déficit. Je suis quasiment à zéro, quoi. Là, ça va vraiment commencer. Genre, les voyages et tout, ça va vraiment commencer. Là j'ai quasiment, en fait j'ai fait ça cet après-midi aussi, j'ai regardé tout ce que j'ai payé en voyage et j'ai quasiment tout payé sauf un où il y a juste le Airbnb à 70% qu'il faut payer, mais sinon tout le reste j'ai tout payé, full quoi, c'est en mode vas-y Lisa go tu vois, profite. J'aurais que les dépenses annexes genre la bouffe ou mais j'essaierai de me faire des sandwichs ou des choses comme ça vous savez. La bouffe, le métro, les transports, les souvenirs, etc. quoi. Enfin, j'ai beaucoup prévu ça et ça me stresse beaucoup parce que bah, je suis étudiante et j'ai quand même quasiment 2000 euros minimum à donner par mois. Comme ça, genre mon loyer à Paris, mes factures à Paris, genre téléphone, internet, tout le bordel. Et là, quasiment 900 balles par mois, c'est énorme, genre vraiment. En tout cas, j'ai trop hâte de commencer les voyages et tout là, parce que voilà, je tourne vraiment en rond dans Athènes, parce que là j'ai tout fait quasiment. Je fais. Et dès que j'ai envie de m'aérer à l'esprit, bah, je vais voir les attrapes touristes, parce que j'adore ça, c'est une passion. J'éclate quoi, mais ça me prend une fois par semaine. Après le reste, bah, je suis à la maison et ou en cours. Mais c'est vrai que je profite pas vraiment des bienfaits d'Athènes. Je vais à la plage quand il fait beau une fois de temps en temps. Enfin, je suis allée deux fois à la plage, je crois. Donc, enfin, ouais, faudrait que je prenne un peu plus le temps pour moi. J'ai un livre là, qu'il faudrait que je lise. Enfin, bref. Tout ça pour vous dire que là, en mois de mars, j'ai visité Athènes. Je suis beaucoup aussi restée chez moi. Peut-être sur YouTube, il y aura moins de vidéos. Je sais pas, parce que je sais que je vais poster un peu plus sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram. C'est ElisaBRTOff. Ou sur mon TikTok, je vous fais aussi des petits TikTok de temps en temps. Parce qu'en plus, après, il y aura ma famille qui va venir et tout. Genre, filmer, c'est comme ça, c'est pas possible. Enfin. Mes parents ils vont se dire Elisa, stop, ils vont me juger. Ouais, rejoignez-moi sur Instagram, il y aura des photos et tout de paysages si vous voulez voir un petit peu tout ça, que je vous fasse voyager. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire hein, pour la fréquence des vidéos et tout, pour les travel vlogs, enfin dites-moi, voilà, dites-moi, n'hésitez pas, enfin je compte sur vous là-dessus. J'espère sincèrement que cette vidéo, une journée avec moi, vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.